suppose que ça vous est déjà arrivé quand vous invitez des amis et qu'ils font pas exactement ce que vous imaginez. Ah, salut! Ah, c'est toi! Ça va? Bah, super, et toi? Déjà, il y a l'ami qui essaye d'être cool. Si tu veux. C'est pas sa faute s'il fait pas comme vous le faites d'habitude. Oh, super, t'as des pets de chance. J'ai trop hâte qu'elle arrive. Ensuite, il y a l'ami qui est vraiment cool. Coucou, c'est moi. Elle va écouter tout ce que vous lui dites. Et puis après, il y a l'ami un petit peu plus, comment dire, excessive. Mais tu joues pas avec cette chose, nous on joue au pet shop, d'accord? Elle, c'est simple. Elle va tout simplement te pourrir ton après-midi. Tu pourrais pas m'aider à... C'est un petit peu la reine des enquiquineuses. Le petit jouet là, ça commence à m'énerver. On va se mettre là-bas. Ok. Bon alors toi tu prends qui? On a qu'à mettre ça comme table hein. Bon alors ouais. Lui il fait un petit peu tout après, à sa manière. Même si c'est pas de sa faute. Et après on apporte c'est à dire que parce que ça, c'est bien comme ça. Et après et le plus souvent on prend les autres. Et ben il te laisse sur le côté. T'as vu, je suis sur un gros truc comme ça. Ouais. Oh, y'a un copain là-bas. Yo yo yo. Ouais ouais. T'as vu, je suis en haut de la montagne. Et ouais. Et les mecs, on fait une taf ce soir. Alors, l'ami vas-y, sympa, je te laisse le chabège. Elle serait prête à t'enguirlander pour que tu prennes le plus alors, beau. Alors, commençons. Salut, ça va? Mais c'est aussi le genre d'ami avec qui tu rigoles le plus. Connais la blague du petit déjeuner? Hein? Non? Pas de bol! Bon, alors, je prends le plus beau parce que c'est moi la plus belle et c'est moi qui la mérite. Ouais. Toi, tu t'as plus gros moche. Il est pas moche, hein. Bon, mais alors de leur côté, ça s'arrange plateau, pas. Là. Oh, sérieux, la petite peste là. La dinette. Maintenant, elle se la joue et c'est madame la chef. Je vais faire du shopping. Bon, alors tu joues ou quoi? Je sais pas trop ce que t'attends là. Oui, mais on va pas faire du shopping. Hein. Eh bah. Si. Non. Alors, tiens, bah la voilà qui fait des vidéos pet shop maintenant. La plus belle. Et aujourd'hui, on se retrouve. Et avec la musique de base. Voilà, Émilie, t'es un peu dans le plan là, si tu pouvais dégager. Mais t'as pas le droit de faire ça. Oh, sans blague! Nicolas, ta maman est arrivée. Bon, bah c'était cool, on range. Le grand talent de cet ami, c'est qu'il est très fort pour ranger. Enfin, essayer de ranger. Émilie, ton père est là. Ah, bon bah je vais devoir y aller. Ouais. En haut, c'est ça? Oui, laisse, je vais ranger le mien. D'accord, bon bah à plus. C'était super. Ah, ta maman est là. Bon, de toute façon, j'ai pas que ça à faire. Allez, salut. Ok. Même pas le culot de ranger, c'est super. Attention, voici le moment que vous attendiez tous. Oh non, mais c'est pas possible, mais il a fait n'importe quoi, les pet shops c'était pas du tout là-dedans. Bon, ok, il a essayé de ranger, mais franchement... C'est souvent dans ce moment-là qu'on se rend compte qui est vraiment notre ami. Si c'est quelqu'un qui est nul pour le rangement, quelqu'un qui est sympa, ou même une petite peste qui se sauve comme une voleuse et qui te laisse ranger ta chambre en solo. Ok, c'est vrai, je l'adore. C'est ma meilleure amie. En plus, on s'est même pas disputé. C'était vraiment super. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Non, en fait, je disais que franchement, c'était trop l'éclate. Je l'adore, Lily. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je l'ai faite pour une raison assez particulière, car ma chaîne a maintenant 5 mois. Et franchement, je vous dis un gros merci parce que j'ai presque atteint les 40 abonnés. Alors voilà, un grand merci à vous tous et bye bye !